Le rôle des entreprises face au changement climatique. La Terre, on travaille beaucoup sur les acteurs de l'énergie, aussi le secteur bancaire. Et au lieu d'essayer de repenser complètement leur cœur de métier, puisqu'elles sont au cœur de cette problématique du changement climatique, elles essayent, du côté des acteurs du secteur pétrolier et gazier, d'aller chercher des hydrocarbures qui sont de plus en plus compliqués et difficiles à extraire, avec des techniques de plus en plus invasives. Donc là, je parle des gaz de schiste, des sables bitumineux, etc. Alors que dès maintenant, on ne devrait plus aller rechercher, on devrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles font un lobbying très important contre toutes les tentatives législatives, que ce soit au niveau national, européen ou international, pour justement organiser cette transition énergétique. Donc ça, on le voit notamment au niveau des négociations sur le climat, les négociations internationales sur le climat, comment elles influencent l'agenda des négociations et après les négociations elles-mêmes. Et on le voit à chaque fois aussi en termes de discussion de législation au niveau français, européen, comme récemment, enfin, en ce moment même, je dirais, en France, sur le projet de loi Hulot sur les hydrocarbures. La dernière chose qu'on voit beaucoup sur les entreprises énergéticiennes, c'est le greenwashing, c'est-à-dire de dire oui, on s'engage pour le climat. Donc on a eu beaucoup, notamment l'année en 2015, c'était l'année de la COP21 à Paris, donc tous les grands discours disant qu'elles s'engagent pour le climat, mais encore une fois, quand on regarde leurs pratiques et leurs actions de lobbying, c'est complètement contraire à leur discours public.